Ah, bonjour. Donc, on va commencer un long cours réseau. Donc, ce cours, vous avez commencé à. Le début, vous le connaissez un peu déjà. Ce sont des choses qu'on avait vues rapidement l'année dernière, donc en REST 301. Il s'agit donc de l'interconnexion, donc par Spanning Tree, VLAN et autres. Le portage vers les réseaux métropolitains et en même temps aujourd'hui donc on va en profiter pour discuter un peu de l'architecture des switches et des équipements qui ont à la fois donc des fonctions de commutation et de routage. Donc on discutera de ces éléments et puis après on reprendra aussi des éléments que vous avez vus l'année dernière en REST 302, mais on va les approfondir et surtout on va les voir sur une autre optique, puisque l'on discutera pas mal ici, non pas d'IPv4, mais d'un protocole qui est de plus en plus présent, donc qui est IPv6. On verra les différences et les moyens d'avoir ces deux protocoles en même temps. Ensuite, une fois que l'on aura vu ce genre de choses, eh bien, on va s'intéresser aux protocoles de routage. Et donc, on verra les protocoles comme RIP, OSPF et... À la fin du cours, on verra un autre type de protocole de routage qui s'appelle BGP et on verra quelle est son importance dans l'architecture du réseau et pourquoi ce protocole peut nous servir à plein de choses, en particulier donc à faire des VPN, donc des réseaux privés qui permettent à des entreprises de s'interconnecter au niveau 3 ou au niveau 2. Et en revoyant le niveau 2, eh bien, on rebouclera sur la partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux métropolitains, et on verra le lien avec. Donc voilà un peu le plan du cours. Donc c'est un cours assez dense, on a une dizaine de séances, donc jusqu'en décembre. En parallèle, vous allez avoir à peu près pour tout le monde, à part, si mes souvenirs sont bons, les masters sécurité. Vous aurez donc des TP qui reprendront certains points du cours. Donc dans un premier TP, vous verrez comment utiliser donc les VLAN et l'algorithme du Spanning Tree, donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Dans un deuxième TP, vous verrez IPv6 et puis après les protocoles de routage, OSPF, BGP et comment aussi créer des VLAN. Donc pour les TP, juste une remarque, vous avez peu de temps pour le faire, donc ce sont des choses qu'il faut préparer à l'avance, être au courant un peu du sujet du TP, avoir répondu. Alors vous aurez deux types de questions, des questions que vous pouvez préparer, et donc vous devez avoir répondu avant, et des questions dont la réponse n'apparaîtra que quand vous serez en face de la machine. Donc préparez-le, parce que sinon vous n'aurez pas assez de temps pendant les quelques heures qui vous sont alloués sur ces machines. Je crois que cette année, ça a été un peu réduit pour des problèmes de logistique. Donc voilà, sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Et le cours est enregistré. Et normalement, si tout va bien, il sera mis sur le web petit à petit. Donc à une adresse que vous connaissez sûrement maintenant, qui est cours.toutun. Et donc, vous aurez donc accès aux vidéos. Ça me prend un peu de temps pour les monter. Je n'ai pas encore fini celle des masters cette année, mais ça avance. Donc, on va revoir quelque chose que vous avez vu l'année dernière, plus ou moins rapidement, dans les deux cours RES 301 que j'ai fait. On était pour le deuxième, la session de printemps, un peu à la bourre à la fin du cours. Donc on n'a pas pu voir ça en détail, mais ça va nous permettre de refixer un peu les idées après ces vacances, donc sur les réseaux et la différence entre un niveau 2 et un niveau 3. Alors je vous rappelle qu'au niveau 2, on a un réseau, alors un réseau qu'on va symboliser par un câble Ethernet, bien que maintenant on ne va plus trouver cette technologie, mais on aura des commutateurs, des switches, mais on peut toujours fonctionnellement le représenter comme un câble sur lequel on va avoir des stations qui sont connectées
Et on va avoir des éléments ici, des ponts, ou bridge en anglais, qui vont donc permettre l'interconnexion entre ces éléments. Donc je vous rappelle rapidement comment ça marche. Le pont a un mode de fonctionnement qu'on appelle promiscuous, dans lequel il va récupérer l'ensemble des paquets, des trams, qui circulent sur le réseau, même celles qui ne lui sont pas adressées. Ensuite, le pont analyse la trame. S'il connaît, si par exemple la destination est sur la même interface, eh bien il ne recopiera pas l'information ailleurs, il va ignorer cette information parce qu'il sait que l'équipement a été joint directement. Autre cas, le pont sait que la destination est jointe, peut être jointe par une autre interface, et dans ce cas-là, le pont va recopier l'information sur cette interface. Ou le pont ignore totalement où est la destination, et à ce moment-là, le pont va le recopier sur toutes les interfaces. Donc voilà sommairement le mode de fonctionnement. Alors si on reprend par rapport à un switch, donc par rapport à un switch, qu'est-ce que l'on va avoir? Donc vous avez votre switch ici, et la fonction du switch, c'est de ponter. Pont et switch, ce sont les mêmes fonctionnalités. Alors quand on parle de, fait une distinction au niveau du vocabulaire, le pont, normalement, c'est du software qui va, du logiciel, qui va scruter une à une toutes les cartes pour voir si des paquets sont arrivés, des trams sont arrivés. Par contre, le switch, c'est du hardware, et il va pouvoir traiter en parallèle plusieurs trams qui arrivent en même temps. Mais, fonctionnellement, on retrouve les mêmes, le même comportement. Donc, si on prend un switch, vous allez avoir une liaison point à point entre vous et un équipement, par exemple. Et donc, cet équipement va envoyer l'information vers le switch. Et le switch va effectuer une fonction de pontage, c'est-à-dire qu'il va regarder l'adresse destination, donc déjà apprendre, regarder l'adresse source pour voir que cette machine-là peut être atteinte, et regarder l'adresse destination, et s'il connaît le où se trouve le destinataire, eh bien, il recopiera l'information que sur ce port. Donc en gros, si on regarde la différence entre les deux schémas, ici on a un réseau Ethernet qui est composé uniquement de deux équipements, qui sont l'équipement host et le commutateur. Et ce qu'on avait vu l'année dernière en RES 301, c'est que comme on n'a que deux équipements, on peut même enlever tous les protocoles genre CSMA/CD, qui nous imposent beaucoup de contraintes, parce qu'ici on peut être en mode full duplex, où on peut émettre et recevoir de l'information en même temps. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement du pont. Donc le pont ou le switch fonctionne par apprentissage, et en écoutant les adresses qui circulent sur les liens, eh bien il va apprendre où se situent les machines. Donc par exemple ici, je peux également mettre un hub, ou un autre switch, et mettre d'autres équipements. Dans ce cas-là, le switch du haut apprendra la liste des machines qui sont connectées à ce port. Donc, on a un mode de fonctionnement ici. Donc si je prends cet exemple, donc on a un réseau qui fonctionne, et qui va petit à petit apprendre et optimiser. Donc par exemple, si A envoie une trame vers B, eh bien, le pont peut connaître la localisation de B, donc B1 se dit, pour envoyer à B, je dois recopier l'information, et B2 récupère l'information et se dit, pour envoyer à B, je dois recopier l'information. Donc, c'est ce qu'on a ici aussi. Si, par exemple, on place B derrière ce switch, eh bien, le switch ici va avoir B au niveau de ce port, donc va recopier la trame sur ce port, et ensuite le deuxième switch ici verra que B est accessible par ce port et enverra l'information sur ce port. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne correctement,
Et il n'y a pas de problème, on a plein d'avantages. On limite la charge du réseau, puisque ici, dans mon cas, dans le cas du switch, je ne recopie pas l'information vers les autres équipements. Et on a aussi donc plus de sécurité, parce que supposons que A parle avec une station sur le même lien, eh bien la trame ne sera pas recopiée sur les autres liens, donc ça limite le risque d'écoute. Dans le cas d'un switch, si je tape mon mot de passe vers un serveur, eh bien les autres équipements qui sont connectés au switch ne verront pas les trames que j'envoie, et donc on ne pourra pas écouter ce trafic et découvrir ce qu'il y a derrière. Donc ça marche bien, et en plus il n'y a pas besoin de le configurer, ça apprend tout seul. Alors ça a un tout petit inconvénient, c'est que ce n'est pas scalable, parce que ici je dois maintenir une liste d'adresses MAC, et plus j'ai d'équipements derrière, plus j'aurai d'adresses MAC à retenir. Donc il y a une limite. Donc cette limite, on l'a fait sauter au niveau IP en jouant sur l'adressage et en rendant l'adressage hiérarchique. Donc de cette manière-là, on n'a pas à mémoriser l'ensemble des adresses. On mémorise simplement la partie commune à toutes les adresses. Mais au niveau 2, les adresses MAC étant données un peu au hasard, on est obligé de tout lister. Alors ça marche bien, notre réseau marche bien ici, mais disons que pour des raisons de sécurité, j'ai peur qu'un de ces équipements tombe en panne, eh bien je rajoute un pont B3, et ce pont B3 va me servir pour garantir qu'il y ait plusieurs chemins pour aller d'un point à un autre. Alors est-ce que ça va toujours marcher? Oui? Ça n'a pas marché, parce que là, le comportement de B3 va être, je vois une trame qui circule sur le réseau du bas, et donc je la recopie vers le réseau du haut. Donc le réseau du haut va avoir une trame qui passe, B1 va la reprendre, ainsi de suite, et là, on vient de créer une boucle au niveau du réseau, et on mémorise, on a créé une mémoire à trame. Toutes les trames qui circulent sur mon réseau restent dans le réseau. Donc évidemment, ça ne va pas très bien marcher, parce qu'on va se retrouver avec une saturation de mon réseau, avec toutes les trames qui ont déjà circulé. Pire, si j'ajoute un autre élément ici, eh bien je multiplie le nombre de trames, et donc au lieu d'avoir une trame qui circule, je vais en faire des copies, et ces copies vont circuler indéfiniment sur mon réseau. Donc là, c'est encore pire au niveau des performances. Donc le réseau s'écroule tout de suite, et vous n'avez plus aucune possibilité d'échanger du trafic. Alors, pour éviter ça, parce que je vous rappelle, là on est au niveau 2, le slogan du niveau 2 c'est « on branche, ça marche », et ici on est « on branche, ça marche plus ». Donc il faut trouver un mécanisme pour corriger ce problème. Alors le mécanisme qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le spanning tree, et qui est un protocole qui est implémenté directement au niveau des switches, ou au niveau des ponts, et qui va permettre de désactiver des interfaces s'il y a création de boucles. Donc l'exemple, donc là vous avez l'algorithme, en fait qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on a ici un réseau que l'on peut assimiler à un graphe, parce qu'il y a plusieurs chemins possibles pour aller d'un point à un autre. Et pourquoi ça marchait bien tout à l'heure? C'est parce que l'on n'avait qu'un seul chemin possible pour aller d'un point à un autre, et cette structure-là, c'est un arbre. Donc ce que l'on va chercher à faire, c'est trouver l'arbre qui couvre le graphe, et donc cet arbre qui couvre le graphe, c'est ce qu'on appelle un spanning tree, un arbre couvrant. Et donc, on a un algorithme qui permet de faire ce genre de choses. Alors c'est un algorithme un peu bizarroïde, on ne voit pas très bien le rapport avec les réseaux, mais en gros l'idée c'est de se dire que quand on a une relation d'ordre, on n'a pas de boucle. On est plus petit ou plus grand, mais il n'y a pas d'égalité, et donc on peut arriver comme ça à casser les boucles. Alors on va le voir sur un exemple assez trivial,
Et ensuite, on le verra dans la réalité, et vous le reverrez évidemment lors des TP. Alors, ici, donc, on a une boucle, on a un graphe, puisqu'on a plusieurs chemins possibles pour aller d'un point à un autre. Par exemple, pour aller du rond violet au rond vert, je peux y aller directement, ou je peux passer par le rond rouge. Donc, plusieurs chemins. Alors, si je pontais les messages entre les trames entre ces différents nœuds, eh bien, j'aurais une boucle, comme on a vu précédemment. Alors, ce qu'on va dire, c'est que chaque nœud a une identité unique. Unique, ça veut dire qu'il y a soit des plus grands, soit des plus petits, mais il n'y en a pas d'égal. Et donc, on va se baser sur cette propriété. Et donc, on va essayer de, sur cet exemple simple, construire un arbre. Donc, il va falloir se mettre d'accord sur une racine. La solution la plus simple, ici, c'est de se dire, le plus petit aura la racine. Alors, comment on fait? Eh bien, on va demander aux nœuds d'échanger leur identité. Donc, sur chacun des liens, le nœud va dire, moi, voilà mon identité. Et l'autre, donc, recevra évidemment cette identité. Et il va la comparer à la sienne. Si ce qu'il reçoit est plus grand que ce qu'il a, eh bien, il va se considérer, il va se dire, je suis la racine, parce que j'ai rien reçu de plus petit que moi. Si, par contre, il reçoit quelque chose de plus petit, eh bien, il va se dire, il y a un problème, je ne suis pas la racine. Donc, ici, si on regarde l'exemple, le nœud rouge se croit, dit avec 5, je suis la racine, mais il reçoit du nœud violet quelque chose qui lui dit 3. Donc 3, c'est plus petit que 5. Donc le nœud rouge se dit, je suis pas la racine. Le nœud vert, c'est pareil. Il reçoit deux informations, 3 et 5, qui sont plus petites que son identité. Et donc, là, il est vraiment sûr de ne pas être la racine. Maintenant, 3. 3 reçoit 5 ou 8, et donc lui, il est sûr d'être la racine. Donc maintenant, tout le monde s'est mis d'accord, et dans le réseau, tout le monde s'est mis d'accord sur la valeur la plus petite, comme étant celle qui correspond à la racine. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? La racine va garder tous ses ports actifs. Et les autres équipements vont garder actifs le port qui mène à la racine. Donc, sur ces deux liens-là, pas de problème, on a des liens pour la racine. Maintenant, la question est sur le lien entre 5 et 8. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que 5 doit laisser son port actif ou est-ce que 8 doit laisser son port actif? Si les deux laissent leur port actif, eh bien, il y a création de boucle. Donc dans cet exemple simple, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est désactiver l'un des ports. Donc désactiver l'un des ports, c'est-à-dire que vous n'émettrez plus sur ce port ou que vous ne recevrez plus, vous n'écouterez plus le trafic qui vous arrive sur ce port. Donc si on fait ça, sur l'un des deux, ici, on a gagné, on a cassé notre boucle. Alors comment on fait? Toujours pareil, dans cet exemple simpliste, eh bien, on continue à envoyer son identité. Donc 5 envoie à 8, 5, et 8 envoie à 5, 8. Maintenant, si vous êtes 5, vous croyez le plus petit sur ce lien, et que vous recevez quelque chose de 8, 8 est plus grand, vous l'ignorez. Par contre, 8 se croit le plus petit sur le lien, et reçoit quelque chose de 5, donc là, il se dit, il y a un problème, il y a quelqu'un de plus petit que moi. Et dans ce cas-là, le chemin ici qui ne mène pas vers la racine sera désactivé. Et donc, on va se retrouver dans cette situation. Alors, dans cet exemple très simple, le fait d'avoir désactivé une interface fait qu'évidemment, on n'aura plus aucun trafic sur ce lien, parce que comme le 8, le rond vert, n'émet plus de trafic, eh bien, 5 n'apprendra aucune adresse venant de ce lien, et donc n'émettra aucun trafic, et tout le trafic
partira vers 3. Donc là, on a résolu notre problème, on a enlevé la boucle. Donc voilà un peu le principe de l'algorithme du spanning tree. Alors on va le revoir maintenant dans la réalité. Donc ici, on a l'algorithme. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est au lieu d'avoir un nombre, dans l'exemple précédent j'avais 3, 5 ou 8 comme valeur, on va avoir une structure de données un peu plus complexe. Au lieu d'avoir un scalaire, on va avoir un vecteur. Et ce vecteur va avoir 4 composants. Ces composants vont être l'identité de la racine, donc la première valeur. La deuxième valeur va être le coût pour aller vers la racine. La troisième valeur va être l'identité de celui qui a émis l'information. Et la troisième va être la valeur du port sur lequel on a émis le message. Donc chaque nœud va émettre sur les liens ces informations. Et évidemment, on va définir une relation d'ordre entre nos vecteurs pour dire lequel est le plus grand ou le plus petit. Donc, premier cas, si le premier élément du vecteur V1 est inférieur à U1, eh bien on dira que V est inférieur à U. Si par contre, évidemment, si V1 est supérieur à U1, on dira que V est supérieur à U. Par contre, si V1 égale U1, et ça va être un cas assez normal, puisque V1, c'est l'identité de la racine. Enfin, le premier élément, c'est l'identité de la racine. Et ce qu'on veut, c'est que tout le monde se mette d'accord sur l'identité de la racine. Donc, au bout de quelques échanges, tout le monde aura la même valeur en disant, c'est un tel l'identité de la racine. Alors, et ce sera le plus petit. On va sélectionner le plus petit. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va regarder le deuxième élément. Le deuxième élément, bah, c'est le coût pour aller à la racine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va traverser un pont, eh bien, ce coût sera augmenté de 1. Donc ce que l'on va faire, c'est essayer de construire l'arbre couvrant le moins profond possible. Parce que plus il est profond, plus vous avez des ponts à traverser. Donc notre but, c'est de limiter le nombre de ponts et donc d'avoir l'arbre le moins profond. Donc on va minimiser aussi le coût donc pour aller vers la racine. Donc, ici, on dira que si les identités des racines sont les mêmes, eh bien, on va regarder le coût qui est minimal. Après, ben, c'est un peu plus arbitraire. On peut se retrouver par différentes interfaces à recevoir, évidemment, la même identité pour la racine, mais avec le même coût. Deux chemins où on traverse le même nombre de ponts. Donc, qu'est-ce que l'on va faire pour dire qu'un message est meilleur qu'un autre? Eh bien, c'est arbitrairement de choisir l'identité du pont qui a émis le message. Et si ça ne suffit pas, on verra que dans les exemples ça ne suffit pas, eh bien, on pourra aussi regarder le numéro de port sur lequel ce message a été émis. Évidemment, là, ces informations sont relativement arbitraires parce qu'elles correspondent à des données physiques qui n'ont donc des valeurs de cartes, etc. Donc, ça a peu lié aux performances du réseau. On verra les problèmes que ça induit. Alors, on va le voir sur un exemple. En fait, on va reprendre l'algorithme que l'on a vu tout à l'heure, mais on va l'appliquer à ces vecteurs, et on va l'appliquer aussi à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, où on avait des boucles. Donc, on a 4 ponts. Dans les cercles ici, vous avez la valeur, l'identité du pont. Donc, le pont orange B3 aura la valeur 18, B1 a la valeur 13, etc. Vous avez, chaque port aura un numéro, 1 ou 2. Et puis, chaque pont va garder en mémoire deux informations. Le best. Donc, best, c'est le meilleur message qu'il a reçu. Et computed, c'est à partir du meilleur message qu'il a reçu, l'information que lui va réémettre sur ses ports. Donc, au démarrage, alors là, on prend un exemple
on a une panne de courant dans l'entreprise, on rallume tout et le réseau se met aussitôt à fonctionner. Et à ce moment-là, aucun pont n'a d'information. Donc, les ponts vont se considérer tous comme racines. Donc, dans ce cas-là, ils vont diffuser sur chacun des liens des informations indiquant ce qu'ils sont. Alors, par exemple, ici, le pont B3 va annoncer sur le réseau du haut, la racine, c'est 18, c'est lui, le coût, c'est 0, c'est normal, il se croit racine, je m'appelle 18 et j'ai émis sur le port numéro 1. Sur le réseau du bas, il émet le même message. La racine, c'est 18, le coût est 0, je m'appelle 18 et j'ai émis ce message sur le port numéro 2. Et chacun des ponts va faire la même chose. Alors, le pont B3 va être un peu déçu parce qu'il se considérait la racine et il a mis un message 18. Mais il va recevoir du pont B1 une information disant avec la valeur 13 ici pour la racine. 13, c'est plus petit que 18. Donc, le message émis par B1 est meilleur. Et donc, dans ce cas-là, les ponts B3, B2 et B4 vont se dire, c'est plus nous la racine, il y a une racine, c'est 13. Parce que l'on a reçu un message meilleur que le nôtre. B1, lui, donc la valeur 13, n'a rien reçu de meilleur, et donc B1 continue de penser qu'il est la racine. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, B1 va rien changer, il va continuer à émettre les messages 13.0, 13.1 et 13.0, 13.2, suivant le port sur lequel il émet ses données. Par contre, les autres équipements, les ports de B1 vont rester actifs, et les autres équipements vont laisser actif également le port sur lequel ils ont reçu le message de la racine, le meilleur message de la racine. Donc ici, on a donc le port ici, 13, le port 1 qui a reçu 13.0.13.1 qui est le meilleur. Alors pourquoi c'est intéressant? Pourquoi on a un numéro de port? On peut voir sur un exemple plus simple. Vous avez deux ponts. Dans ce cas-là. Donc, mettons 13 ici et 22 pour l'identité. Donc, vous allez recevoir ici 13. Celui-là va émettre 13.0, 13.1. Et ici, 13.0, 13.2. Donc, le fait d'avoir le numéro de port va nous permettre de distinguer les deux annonces et on considérera 13.0.13.1, qui est meilleur que 13.0.13.2, comme étant le chemin vers la racine. Et donc celui-là, il faudra le voir son sort. Mais avoir le numéro de port dans le message nous permet de résoudre ce problème. Donc, ici on a les chemins sur la racine, par contre évidemment, il y a encore trois chemins dont on ne sait quoi faire. Donc on rentre dans la deuxième phase de l'algorithme, qui est de dire, je dois être le meilleur sur mon lien. Si je reçois un message meilleur, plus petit que le mien, ça veut dire que je ne suis pas le meilleur, il y a un meilleur que moi, et dans ce cas-là, je désactive mon interface. Donc, ici, si vous regardez le 18, 18 va recevoir un message 13.1.25. Lui, c'est 13.1.18. Donc, ici, il n'a pas reçu de meilleur message que le sien. Donc, il va continuer à garder ce port actif. Par contre, B2, donc lui émet un message 13.1.25 et il reçoit 13.1.18. Donc, 18, c'est meilleur que 25. Donc, on va désactiver ce port. De même sur ce lien, on a émis, nous, 13.1.22, et on va recevoir 13.0.13.2, donc c'est meilleur, puisqu'il y a un 0 ici à la place d'un 1, et puis, donc, ce que l'on va faire,
c'est que l'on va désactiver ces deux interfaces. Et par contre, on garde l'interface de B3 vers le bas active. Et qu'est-ce qu'on vient de résoudre ici? La boucle, parce que l'on n'a plus qu'un seul chemin pour aller vers d'un point à un autre du réseau. Donc quand la machine A veut parler avec la machine B qui se trouve en bas, le message va en fait être pris par B3 et B1 et B4. B4 ne va pas pouvoir les mettre vers le réseau du bas parce que B4, le pôle d'interface ici, est désactivé. B1, lui, peut le remettre vers le réseau du bas. B2 le prendra, mais B2 ne pourra pas le réémettre vers le réseau du bas. Par contre, B3 le pourra le prendre et l'enverra vers le réseau du bas. Donc ici, on n'a qu'un seul chemin possible. Alors, ce n'est pas toujours le chemin optimal, parce que quand vous avez un équipement sur le réseau du milieu ici, eh bien, s'il veut joindre le réseau du bas, il ne peut pas passer par B2. Il sera obligé de remonter vers B1 et de redescendre via B3. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Sur un graphe, on avait une diversité de chemins. On a enlevé des branches sur mon graphe, donc je pourrais avoir des chemins plus longs. C'est un inconvénient, mais cet inconvénient est moindre et évite le fait d'avoir des boucles qui, elles, vont casser le réseau. On a une petite diminution des performances, une grande, on verra, mais on a un réseau qui fonctionne. Alors que dans le cas précédent, si j'avais pas Spanning Tree, mon réseau ne fonctionnera pas. Donc voilà un peu l'exemple du Spanning Tree. Alors, quand vous serez en TP, vous verrez que les identités ne sont pas des valeurs 1, 2, 3 ou comme on a pris 13, 16, etc. Parce que ces valeurs-là, elles ne sont pas uniques. Et on veut que ça marche sans configuration. Donc si vous rappelez bien ce que j'ai dit l'année dernière, le spanning tree, c'est comme un fusible. C'est-à-dire que c'est pas quand vous consommez trop d'électricité chez vous, eh bien, votre fusible fond et vous n'avez plus d'électricité. Donc, ce n'est pas une situation agréable. Mais c'est une situation plus agréable qu'avoir sa maison qui prend feu. Donc là, on est sur la même chose. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui n'est pas génial, qui ne va pas nous faire la meilleure ingénierie de trafic. Par contre, c'est plus agréable qu'avoir un réseau qui ne fonctionne pas parce qu'il est saturé par des copies de messages. Donc, et on veut que ça marche, donc comme un fusible, on veut que ça soit automatique. Alors ce que l'on va faire, c'est prendre l'adresse MAC. Vous vous rappelez d'une adresse MAC? C'est un truc unique dans le monde. Donc si je prends un pont ou si je prends un switch, mon switch va être composé de plein de cartes, ou mon pont va être composé de plein de cartes Ethernet, et chacune d'elles aura besoin d'une adresse MAC, non pas pour la fonction de pontage ou autre, parce que normalement, vous n'émettez jamais d'informations vers un switch, donc vous n'envoyez pas une trame au switch, comme vous n'envoyez pas une trame à un pont, mais on va être obligé de donner une adresse MAC pour permettre au protocole du Spanning Tree d'émettre ces données. Et donc, par définition, une adresse MAC, c'est unique. Donc, comme c'est unique, il y a soit des plus grandes, soit des plus petites. Donc, on peut prendre cet identifiant comme identifiant du pont. Donc, vous en avez plusieurs, vous en prenez arbitrairement une, et donc, vous avez un identifiant unique. L'inconvénient, c'est que là, ça va privilégier peut-être les équipements très anciens. Si vous prenez un fabricant qui était depuis longtemps, ou une machine qui est depuis très longtemps sur Internet, elle aura peut-être une adresse MAC beaucoup plus petite que les nouveaux arrivants. Et donc, c'est pas génial. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, c'est précéder cette information MAC sur 6 octets de 2 octets qui vont être une priorité.
Et cette priorité va être à 32 000 et quelques par défaut sur votre pont. Et vous, vous pouvez la faire changer. Vous pouvez reconfigurer votre pont pour augmenter cette valeur ou diminuer cette valeur. Donc si vous prenez par exemple 50 000, eh bien 50 000 va faire que la valeur est plus grande et votre machine ne va plus devenir prioritaire et ce sera une autre qui aura tendance à être racine. Par contre, si vous configurez deux machines avec 50 000, eh bien vous aurez l'adresse MAC ici qui va vous permettre de rendre cette valeur unique et corriger votre erreur de configuration qui faisait que deux priorités étaient identiques sur des machines. Donc ce qui fait que les identités que l'on va avoir vont être ici sur 8 octets. De même au niveau des ports, vous allez avoir le numéro de port, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais vous allez aussi avoir la possibilité d'émettre, de changer par une priorité le port sur lequel vous pouvez jouer. Alors si vous regardez Cisco, vous avez aussi au niveau de Cisco, des routeurs Cisco, vous verrez ça dans les... enfin des switches Cisco, vous verrez ça au niveau des TP, vous aurez la priorité qui dépendra aussi de la vitesse de l'interface. Et donc de cette manière-là, on pourra rendre moins prioritaire une interface qui est à 10 mégabits par seconde comparée à une interface qui est à 100 mégabits par seconde. Donc faire converger le trafic vers les liens les plus rapides. Mais quand même, l'ingénierie de trafic, la conception du réseau que vous allez avoir avec le spanning tree est relativement rustique. Ce qui fait que c'est très dur de bien contrôler ces flux dans l'entreprise. Donc il faut plutôt le voir comme un fusible que comme vraiment un vrai outil de maîtrise des flux. Par contre, ce qui est important de voir, c'est quand vous avez un switch, vous branchez au switch, par exemple vous lancez un analyseur de réseau, eh bien vous verrez en permanence ces trames de spanning tree qui seront émises par le switch et qui permettent de détecter les boucles. Par exemple, vous pourriez faire comme bêtise, vous avez un switch ici, vous voyez deux RJ45 qui sortent, et vous rebranchez un autre switch derrière. Donc là, on a création d'un... On a ici donc création d'une boucle. Donc ça, c'est pas l'idéal. En fait, ce qu'on voudrait dans ces cas-là, et il faudra de la configuration, c'est dire à votre switch, ce que tu fais, si je fais cette configuration avec deux, j'utilise deux ports, eh bien, c'est d'en faire virtuellement qu'un seul. C'est ce qu'on appelle un Ether Channel, ou un Ether Channel. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir émettre sur les deux ports le trafic, et si j'ai deux liaisons à 100 mégabits par seconde, eh bien je pourrais maintenant renier mes deux switches à 200 mégabits par seconde. Donc là, ça veut dire, dans ce cas-là, qu'on ne doit pas avoir de spanning tree et qu'on doit considérer ce truc-là comme un seul port. Donc vous verrez dans les TP, vous aurez aussi à configurer ce genre de choses pour augmenter la vitesse de transmission entre deux commutateurs. Alors, on a ça, mais en fait, le spanning tree, c'est un très vieux protocole, et il a un inconvénient, enfin il a plusieurs inconvénients, il a un avantage, hein, il sauve votre réseau, mais il a l'inconvénient d'être très lent à converger. Alors pourquoi ça? On peut le voir sur ce schéma, qui vous donne un peu la vie d'une interface. Donc quand vous activez un switch, vous allez, par exemple, mettre active une interface. Donc cette interface au début était inactive, et par une commande, par exemple no shutdown sur un Cisco, eh bien vous passez à l'état actif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'état bloqué.
Donc l'état bloqué, hein, c'est l'état où, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait le rond au début de la flèche. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'émettre de trame sur cette interface et je n'écoute pas le trafic de données sur cette interface. Par contre, je dois écouter le trafic spanning tree. Parce que le trafic spanning tree va me dire si je peux ou pas émettre. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que je suis dans l'état bloqué, eh bien, je vais passer dans l'état écoute, dans lequel je vais écouter le spanning tree. Donc, en écoutant le trafic de spanning tree, j'écoute, donc je le sais, j'ai déjà des informations provenant de mes autres interfaces. Et sur cette interface, par exemple, je peux recevoir un message qui est meilleur que ce que j'aurais pu faire. Puisque je connais déjà une identité de racine par d'autres ports, etc. Et si je reçois quelque chose de meilleur, dans ce cas-là, je reviens dans l'état bloqué, comme on a vu précédemment. Si par contre, pendant une période d'environ 30 secondes, je ne reçois aucun message meilleur que le mien, ben ça veut dire que mon interface peut devenir active et va pouvoir être capable d'émettre ou d'écouter du trafic de données sur ce port. Donc, on pourrait devenir actif directement. En fait, on va encore attendre un peu de temps pour écouter le trafic de données. Et en écoutant le trafic de données, je vais savoir quelles sont les stations qui sont sur le réseau. Évidemment, pas toutes les stations, parce que tout le monde n'émet pas pendant cette période, mais je vais déjà commencer à construire une table de filtrage avec les stations actives à cet instant sur mon réseau. Et donc, de cette manière-là, je vais pouvoir, au moment où je repasserai en forwarding, eh bien, être capable de retransmettre l'information que si c'est vraiment pour le bon destinataire, je n'aurai pas à l'envoyer sur tous mes autres ports actifs, et donc je vais gagner en performance sur mon réseau. Alors évidemment, ça marche bien, sauf par exemple, dans le cas où je reçois un message spanning tree meilleur que celui que j'émets, et dans ce cas-là, je me replie dans l'état bloqué, et je resterai dans l'état bloqué un certain temps, le temps que donc je peux passer dans listening, et si je reçois un message actif meilleur que moi, je reviens dans l'état bloqué, mais il se peut aussi que cet élément disparaisse. Donc les ponts peuvent tomber en panne, les liaisons peuvent se couper, ce qui fait qu'à un moment donné, je ne peux plus recevoir le message qui était meilleur que le mien. Et donc dans ce cas-là, je refais ce cycle pour revenir en forwarding. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut à peu près une minute pour que ça marche. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur un réseau, donc on prend ce schéma, donc vous voulez aller de A qui est en haut à B qui est en bas, vous avez B3 qui fait la fonction, B3 tombe en panne, eh bien il vous faut une minute pour réactiver le port de B2. Alors, il y a 20 ans, quand on faisait du FTP sur les réseaux, une minute, c'était pas gênant. On était à peu près tranquille. On perdait une minute de transfert de fichiers, mais ça reprenait après. Et donc, ça posait pas de problème. Maintenant, quand vous faites de la voix sur IP, ou vous regardez un film ou autre, eh bien, si vous perdez une minute de connectivité, eh bien, vous n'allez pas être très content parce que ça vous casse votre communication téléphonique. Donc, il faut avoir des approches plus réactives pour que ça fonctionne. Alors, on a des améliorations à l'algorithme du spanning tree, qu'on appelle le rapid spanning tree. Donc, le premier, c'est de réduire la période d'émission des beacons, ce que j'allais dire beacon, mais en fait, des messages émis par les... Alors, dans l'algorithme initial du spanning tree, vous avez quelque chose de relativement synchrone. C'est-à-dire que la racine
émet un message, et ce message est recopié par tous les autres routeurs qui sont dans l'arbre créé autour de la racine. Donc la racine émet un message, et ensuite il va être recopié périodiquement. Donc, enfin, l'émission est périodique, et le message est recopié à chaque fois. Et ça, bah, c'est gênant, parce que si on l'émet toutes les 30 secondes, le temps de propagation, on est dans un mode datagramme, on n'est jamais sûr qu'on n'a pas perdu un paquet simplement parce qu'il y avait une erreur de transmission ou on avait un buffer saturé quelque part dans les cartes. Donc le fait de perdre un message, ce n'est pas suffisant. Donc par exemple, si j'émets un message toutes les 10 secondes, eh bien, je vais dire, c'est au bout de 3 messages perdus que je vais considérer que cet élément est mort. Donc par exemple ici, si j'ai ce pont qui tombe en panne, donc la racine va m'émettre toutes les 10 secondes, et je vais attendre 30 secondes, donc la période de 3 messages, pour dire ce truc-là est en panne. Alors qu'est-ce que je fais dans le spanning tree normal? Eh bien, je mets un bit à 1, quelque part, et je dis attention, le réseau doit se reconfigurer, parce que là j'ai détecté que j'avais perdu le chemin vers la racine. Et donc, à ce moment-là, on va peut-être recevoir un message meilleur, que celui, enfin moins bon que ce que j'avais précédemment, mais le meilleur message que je vais recevoir va me permettre de construire mon chemin vers la racine, et tous mes fils, donc tous les équipements qui sont en dessous, vont être informés de ça, et vont donc, eux aussi, recalculer quel est le meilleur chemin vers la racine. Donc ça, c'est une solution, mais ça prend du temps. Alors ce que l'on fait maintenant, dans le Rapid Spanning Tree, eh bien, c'est d'avoir chaque machine va émettre indépendamment ses messages spanning tree. Mettons toutes les 2 secondes. Et donc, ici, si cet équipement tombe en panne, ou si ce lien tombe en panne, je ne recevrai plus le message, et très rapidement, je vais pouvoir dire, mon père n'est plus accessible, et donc je recalcule le chemin. Donc ça ira déjà beaucoup plus vite. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est dire que le réseau a évolué. Quand j'étais dans les schémas que je vous ai donnés tout à l'heure, on était sur des réseaux partagés. On était sur l'Ethernet. Maintenant, ça n'existe presque plus. Ou ça n'existe plus du tout, ce genre de schéma. On est toujours sur une architecture avec des liaisons point à point. Et donc, ça sera beaucoup plus facile d'élire des ports alternatifs, et si mon port ne marche plus, eh bien je pourrai utiliser cette voie alternative pour envoyer l'information. Donc de cette manière-là, on va augmenter la convergence, mais on va quand même se retrouver avec des temps de convergence de quelques secondes, ce qui peut être gênant pour certains types d'applications. Donc voilà un premier problème au niveau du spanning tree. L'autre, eh bien, c'est que le spanning tree n'est pas, on l'a déjà commencé à le voir, mais n'est pas efficace pour un réseau d'une entreprise. Par exemple, ici, vous avez une entreprise qui se dit, bah, j'ai 4 bâtiments à relier, donc ce que je vais faire, c'est mettre une fibre à 1 gigabit par seconde entre tous mes bâtiments. Donc comme ça, j'aurai des liaisons rapides entre ces bâtiments. Évidemment, ce que ne sait pas l'ingénieur système, c'est qu'en fait, on crée des boucles. Et donc, nos switches ont l'algorithme du spanning tree, et donc vont désactiver ces boucles. Donc ici, quel équipement sera la racine ? Donc 22, puisque c'est la valeur la plus petite. Donc évidemment, on a les échanges de trames, hein, on ne va pas le refaire. Donc on a 22 ici qui est le plus petit, et ensuite, eh bien tous les chemins de 22 vont rester actifs, puisqu'il est racine, et les autres équipements, les autres nœuds ici, vont considérer le port qui mène à la racine comme actif.
Donc maintenant, on a ces trois éléments ici, ces trois liens, et il faut voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les laisse actifs? Est-ce qu'on laisse les ports actifs? Donc est-ce que A va laisser actif le port qui va vers B ou vers le nœud 64? Donc là, ça va dépendre de la deuxième phase de l'algorithme du spanning tree. Donc comment on fait ça? Ben, on voit ce qu'on a vu en cours. Ben, on échange l'information en disant la racine c'est 22, le coût est de 1. Donc ça, on l'a partout. Et je m'appelle 87, ou je m'appelle 34, ou je m'appelle 64. Donc maintenant, la sélection est simple. Si je reçois un message plus petit que ce que j'ai émis, ou ce que je suis, eh bien, je désactive mon interface. Sinon, je la laisse active. Donc, par exemple, A reçoit le message « je m'appelle 64 », lui, il s'appelle 34, donc il laisse son port actif. Par contre, 64 va recevoir un message plus petit, 34, donc il va désactiver son port. Donc A, lui, va garder tous ses ports actifs. Par contre, B va désactiver tous ses ports. Et la machine 64 désactivera que le port vers A. Donc, de cette manière-là, l'algorithme du spanning tree nous a éliminé les boucles. Donc, notre réseau fonctionne. C'est déjà ça. Par contre, y a un inconvénient, c'est qu'au lieu d'avoir des liaisons directes entre tous les équipements, si par exemple A veut parler à B, on n'utilisera pas la fibre directe, mais on passera par la racine. Donc là, c'est pas optimal. Donc, on va faire converger le trafic vers ce bâtiment. Ensuite, est-ce que tous les liens sont utilisés? Ben non, on a désactivé tous les liens entre les autres bâtiments. Donc là, on a créé un réseau en étoile pour cette topologie. Alors vous verrez aussi dans les salles TP que vous allez vous retrouver contraint aussi par rapport aux topologies. À un moment donné, vous allez interconnecter tous les bancs et vous allez voir que le chemin que vous allez apprendre pour un banc vers un autre ne sera pas optimal. Alors, le seul banc pour lequel ça a marché, ça sera celui qui est racine. Pour tous les autres bancs, eh bien, on n'aura pas cette optimalité. Donc, ça pose un problème. Deuxième problème, c'est qu'ici, on peut peut-être avoir un réseau chargé ou un réseau avec de mauvaises performances. Ben, dans ce cas-là, on ne prend pas en compte ces critères de mesure de trafic, de bandes passantes, pour calculer l'algorithme du spanning tree, et donc on risque de se trouver avec de très mauvaises performances. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que on n'a pas le temps cette année, mais on pourra en rediscuter. Ce n'est pas encore des choses que vous allez retrouver dans l'industrie, mais si vous êtes intéressé, eh bien il y a d'autres tendances qui sont en train d'apparaître, aussi bien dans les grands réseaux d'opérateurs, et donc on reverra tout à l'heure cette notion de réseau métropolitain, que dans les réseaux d'entreprises, donc de grandes entreprises, pour essayer d'optimiser ce type de trafic. Donc, vous avez deux groupes qui travaillent en parallèle. Alors, un qui est plus orienté réseau métropolitain, donc qui est, vous voyez, si vous regardez le nom du groupe, I3E802.1, donc ça c'est le groupe qui s'intéresse à l'interconnexion au niveau de l'I3E, donc qui s'appelle AQ, et ce groupe est en train de définir un protocole de routage, donc comme on le verra dans la deuxième partie du cours, qui peut être utilisé donc pour interconnecter les réseaux, et qui va avoir de meilleures performances. En cas de panne déjà au niveau de la répartition du trafic, on n'aura pas une convergence vers dans l'ensemble du réseau, vers un point donné, mais on pourra utiliser plusieurs chemins. Et en cas de panne, on peut beaucoup plus facilement réparer et retomber sur ses pieds. Et au niveau de l'entreprise, eh bien, vous avez l'IETF, donc avec un groupe qui s'appelle Trill, donc qui lui aussi
travaillent sur la même chose en utilisant IS to IS, qui est un protocole de routage, pour donc trouver des chemins alternatifs et de meilleurs temps de convergence au niveau du réseau. Donc, on verra, on reparlera peut-être un peu de ces choses-là par la suite.